moi, j'enseigne la littérature et je suis convaincue que la littérature contemporaine, évidemment, a quelque chose à nous dire de nos vies, des tourments de nos vies individuelles ou collectives. Mais j'ai une conviction supplémentaire, c'est que la littérature du passé, même la plus éloignée, même celle qui, a priori, ne concerne en rien la configuration de nos questions, de nos inquiétudes ou de nos joies, je suis convaincue qu'elle a aussi quelque chose à nous dire de nous-mêmes et de notre présent. Et que ça, c'est tout le travail de tous les passeurs de littérature, que sont les profs, les libraires, les gens qui organisent des festivals. Et voilà, donc pour moi, c'était important de me placer fermement sur un terrain actuel, tout en mobilisant mon équipement mental et émotionnel, en fait, c'est-à-dire la poésie, une littérature qui... en principe ne nous parle pas de nous et qu'on doit aider à se transporter jusqu'à nous et à exercer sa force en nous parlant de nous. Ouais. Cette question de non-vie, elle est très importante dans la philosophie morale contemporaine. Moi, j'ai lu avec vraiment passion des ouvrages de Judith Butler, notamment sur la question, mais Didier Fassin aussi travaille beaucoup sur ces affaires-là. Les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas, les vies que l'on compte quand elles se perdent et celles que l'on ne compte pas. Et j'ai l'impression que... disons, il y a quelque chose à extirper de notre façon de nous rapporter aux autres. C'est l'espèce d'incrédulité qu'on a devant le fait que des vies mutilées, maltraitées, disqualifiées, soient des vies pleinement vivantes et des vies pleinement vécues. J'ai l'impression que c'est ce à quoi il faut travailler, à montrer que les vies les plus éloignées sont aussi intensément vécues en première personne par quelqu'un dont c'est la vie, il n'en a pas d'autre. Et que pour se rapporter avec justesse et avec justice à quelqu'un d'autre, il ne faut jamais considérer que ce n'est pas une vie. Hein, même si justement ce n'est pas une vie. C'est ce trajet affectif, intellectuel ou politique à l'intérieur de chacun qui permettent de passer de la sidération à la considération, c'est-à-dire d'une émotion où on est médusé par une situation de souffrance, une situation historique, collective exorbitante, comme ce camp d'Austerlitz que je décris au début, qui se situe au croisement d'autres données urbaines qui le rendent absolument incroyable, et puis qui se situe aussi pas très loin d'un camp plus ancien dont il apparaît en quelque sorte comme l'acharnement. Et passer de cette émotion de sidération à une émotion de considération, ça veut dire devenir patient, arrêter de croire qu'on reconnaît des situations de souffrance ou des situations de relégation historique, et s'intéresser aux vies qui sont vécues, même si elles sont invivables, mais qui justement sont vécues au jour le jour, dans un quotidien. C'est peut-être ça la chose la plus difficile, c'est de mesurer qu'une vie invivable, elle est aussi faite d'un quotidien, d'une intimité psychique, d'une intériorité. Elle est faite d'émotions, d'ennuis, de rêves, de tentatives pour risquer une vie quotidienne, une nouvelle vie quotidienne, même dans les situations les pires qui lui soient faites. Et donc c'est ça, ce passage de la sidération à la considération.